Quand on acquise l'ancien régime, c'est-à-dire l'ancien gouvernement, l'ancien ministre des Finances, c'est Xavier-Luc Duval. Comme quoi, l'ancien gouvernement, moi, c'est tous les premiers ministres. Mais Xavier-Luc Duval aussi, ministre des Finances. Il est ministre des Finances dans l'ancien régime. Oui, ça ne veut pas dire que tout le monde tient la connaissance de ce qui s'est passé entre ça. Des gens qui ont une activité extraordinaire, Premier ministre et Daoud Rawat. Monsieur le Premier ministre, au départ, quand tu annonces justement sa point de vue là, où tu disais qu'il n'est pas responsable, c'est Bandi Moun, finalement, tu te casses, ça n'a pas au million. Et aujourd'hui, on trouve le gouvernement Pévinan, c'est Bandi Moun là. Est-ce qu'il finalement, là, il n'est pas pour un récurrent, donc, parce qu'il a fait point de vue, ou il a insisté que c'est un point de vue, donc qui est forcément illégal. Est-ce qu'il n'est pas Pévinan caution illégalité? Non, pas du tout. Mon réponse est claire. Qui nous ne sommes pas responsables de quoi que ce soit. Seulement, nous réaliser comme un gouvernement que la population est une victime. Bandimoun, qui n'a pas mettre l'argent, ils ont fait dit de bonne foi. C'est vrai qu'il y a un gros intérêt, une tente d'autres, mais en réalité, toute responsabilité, c'est. Les tombes de Bandi Moun qui fait ça, maintenant en et Ban qui fait une ferme lisier, il permet ça d'arriver et continuer. Est-ce qu'il finit dans qui commissaire qui contacte ou pour une négociation avec BAI, par hasard? En tout cas, moi, je ne suis pas d'accord pour négocier quoi que ce soit. Et BAI. Et dans Ban qui fait manifestation ou les tourments, je ne parle pas de tous. Mais finit dans plaisir, l'article paraît, il dit qu'il. Finalement, la négociation est entamée avec le gouvernement. Qui est-ce que vous dites là? Négociation avec le gouvernement? Moi, je ne suis pas au courant. Qui va arriver à un conservateur? Qui va arriver à un conservateur? Je pourrais se conserver. C'est-à-dire? Pardon? Donc, on peut dire qu'il donc actif là pour transférer dans sa fonds qui est causé là. Donc, finalement, pour les plier, il n'y a aucun rôle au final. Pour un rôle conservateur, c'est de maintenir la compagnie à flot. Nous devons prendre une disposition pour que tout dit bien qui est là, man, la fête, pour bien vendre et tout l'argent bien vendre dans sa fonds. Oui. Qui peut créer là pour qu'il compense man, les gens. Si l'argent restait en plus, les ABAI, M. Daoud Rawat ou n'importe qui s'en a qui prennent un droit, il y a hérité. Donc, la raison d'être un conservateur n'est plus existée. Il n'y a aucune raison qu'il y ait un conservateur. Comment? Il n'y a aucune raison qu'il y ait un conservateur qui peut se rôle, c'est maintenir à fond la compagnie. Il y a un conservateur pour venir en plus. Donc, c'est ça. Donc, pour n'être plus besoin de conservateur, c'est-à-dire. Oui, avec la loi qui nous peut passer, tout ça, là, le conservateur pour ne plus être dans ce rôle. Certains adversaires politiques peuvent acquiser au gouvernement de procéder à une nationalisation déguisée de ban assets privés. Qui est-ce pour répondre? Vous appelez ça nationalisation ou? Vous croyez là-dedans? La guibé de ça. Il paraît que vous croyez là-dedans, ça vous pose moi la question là. Non, il n'y a pas d'aucune nationalisation. Ou il y a dans nos programmes une nationalisation. Comme dire conservateur, là, on va faire confusion entre conservateur et administrateur. Là, il y a un administrateur, ça, après gouvernement, il y a un conservateur. Regardez, tout ça là pour venir en plus là. Pour une spécial administrateur. Oui, peut-être. Conservateur nommé par FSI pour conserver avec préserve les assets du groupe. Mais nous tous connaissons que la BAI, BAI Investment, c'est un journal à point un administrateur sous Insolvency Act. Mais justement, le changement qui nous peut amener à Insurance Act, pour un special administrator, parce qu'il nous donne une situation de crise. Et je peux trouver dans ça, la loi-là, c'est le special administrator qui prend le droit, pour aller de l'avant, avec tout ça, procédure qui est dans la loi-là, pour gérer les assets et après faire ce qu'il faut faire.
Le rôle du conservateur et de l'administrateur, bien sûr, il lapse quand le special administrateur est nommé. Mais pour cela, prenons la loi qui peut venir, amendement qui permet à Insurance Act. Laisse la loi voter avant, non, le Parlement avant. Après, elle a nous fait ce qu'il vous a fait dans l'intérêt de la nation. Une question pour le ministre des Finances. Bichos Minaradu, il y a un peu d'article qui paraît dans The Economist. Bloomberg également, Infair Band d'article, Reuters également, qui cause le scandale Belvedere qui déjà existait dans l'offshore. Et puis là, BAI, est-ce qu'il peut faire un peu de damage control? Est-ce que vous pensez que ça va être l'article là, ça va être ce climat-là, capable de décourager l'investissement, capable de créer un peu de problème par rapport à une perspective de développement, ça en est là? Certainement, si l'outil laisse la situation continuer, comment il peut continuer, et tu peux venir sérieux au niveau international. Si le Premier ministre ne prend pas de décision lui-même, opère dans le vif, il gagne 3 semaines, nous pouvons hériter une situation, une Ponzi scheme colossale. Donc nous sommes contents qu'actuellement, non seulement nous finissons ici GLI, mais en plus au niveau relations internationales, les normales, pour un an, ben, l'article qui vous paraît là. Voilà. Maintenant, est-ce que l'image de l'île Maurice au niveau international finit affectée? Ou pas penser? Déjà là, ce matin, nous avons un groupe d'investisseurs, c'est les drôles, de Luxembourg, un banquier. Je veux dire qu'ils ont pris une décision de Maurice parce qu'ils ont trouvé un gouvernement qui agit vite. Et moi, pensez, moi, ce qui peut arriver, une décision du gouvernement peut donner une crédibilité internationale extraordinaire. Une question pour Rochibada. Il y a un judge order qui est tombé par rapport à l'affaire BAI toujours. Qu'est-ce pas pour capable vendre ban asset BAI sans qu'il gagne un judge order? Comment pour faire justement pour récupérer ban asset qui le Premier ministre peut dire pour vendre des châteaux et tout? Un judge order, un freezing order, il est là pour protéger ban asset quand une enquête peut faire. Mais la procédure veut qu'il voit le devant là et après il est là le special administrator pour expliquer en termes qui peut faire et comment on va transférer ça dans le National Property Fund. Et ce sera fait avec, devant la Cour suprême, bien sûr. Et en attendant, qui arrive à travailler à de la BAI? Mais je peux continuer le travail, prenant le National Insurance Company Limited, qui peut découvrir un emploi existant. Et il peut continuer avec, sous le chapeau de la National Insurance Company Limited. Et mon pensée, ça lui donne une assurance très performante, parce qu'il a ce gouvernement, pour prendre cette assurance-là, pour faire tout le bon projet qui nous est là au niveau des services financiers. Nous parlons en Afrique, et nous vous marquons tout en Afrique aussi. Et vous grandissez l'assurance-là. Une question pour Sani Wood. Nous avons qui explique l'absence de Xavier-Luc Duval à cette conférence de presse? Parce qu'il n'est plus, il est pas pour le moment, il n'est pas dans le pays. Il est en dehors du pays. Ivan aussi n'est pas là. Il est en dehors du pays. Là. Monsieur le Premier ministre, vendredi dernier, Finena, la réplique de Daoud Rawat pour la première fois, 12 points avec un document. Qui a un peu réaction du gouvernement par rapport à un point qui finit avancé? Daoud Rawat, qui vous attendez? Il faut se faire tout pour défendre lui-même, non? Il faut se passer pour un ange. Mais aux yeux publics, avec tous ceux qui nous connaissent. Son avocat peut dire qu'ils ont réussi à publier un document alors que le gouvernement fait allégation sans un document. Je vais répondre à ça. Vous connaissez les 12 points qu'ils ont publiés, quand on va saisir ou Getli, si vous ne suivez que cela, vous trouvez. Et il y a beaucoup de points complètement bidons qu'ils ont publiés là, dans ces 12 points-là. Hein. Monsieur Ban journaliste qui travaille, je vous connais. Mais en plus, c'est très simple. Documents qu'ils ont pu nous pas donner, les publics, même les caralgains, Cloud Investment par exemple, c'est un compte audité par KPMG à Maurice. Et Cloud Investment, c'est le ultimate holding company de tout bon subsidiaire du groupe BAI. Et il démontrait que depuis 31 décembre 2012, auditeur, pas nous qui disons ça, hein, auditeur BAI, KPMG, dit qu'il y en a 302 millions de dollars liabilities en plus qu'il y a 7, ce qui veut dire qu'il y a un trou de 10 milliards depuis 31 décembre 2012. Mais ça se dit ça, un document, on a fini pour prouver tout. Mais non, il y a plus que ça pour prouver. Qui veut dire qu'il y a un trou de 10 milliards dans holding company là, et tout ce monde subsidiaire n'est plus un going concern. Going concern veut dire qu'il y a un fight depuis 31 décembre 2012. J'aime monsieur Mohamed répondre ça. Il y a un document qui ne veut pas finir publier la totalité, c'est une cause que quelques points. Qui vous répond un peu à ça? Non, je ne vais pas devenir la Cour de justice. Non. Je explique bon journaliste, tout bon point qui est là,
et dans tout bande de documents. De toute façon, ça bande de documents, un document public, vous venez moi après moi de nous. Parce qu'il est à travers SRC et dans Castor Asset Management. Évidemment, qu'il y a une institution gouvernement qui tient à investir dans Brahma. Alors, étant Brahma, à l'époque-là, tu peux dire qu'il cause nous, tu peux tirer casse dans la banque, qui la banque vient gagner un problème, il est totalement fou. Au fait, même actuellement, là, le gouvernement il a 2,3 milliards de roupies qu'il a investi dans l'ancien Brahma. C'est ça la vérité. Nous nous finissons intervenir uniquement parce que tu peux commencer à gagner un run de la banque. Si nous t'y attendons, la situation est pouvine ingérable. Et nous nous joignons au Premier ministre. Et c'est le Premier ministre qui nous prend une décision qui nous besoin bouge vite, agir vite, afin qu'il nous empêche la situation bien ingérable pour la suite. Une question pour Vishnush Minaraidou et peut-être Roshi Badin. C'est un héros diagnostic qui dit que le gouvernement peut faire ce qu'il besoin faire pour protéger l'intérêt de ses clients et du grand public en général. Et il y a des entreprises qui considèrent un peu comme étant les joyeux de la couronne de BAI, c'est Iframac avec Coats. Est-ce qu'il y a une manière ou d'une autre gouvernement peut oversee l'exercice de reprise ou bien ban l'entreprise qui est intéressée reprend ça des ce qui dit mon peuple joyeux de la couronne de la BAI? Abin, laisse-moi dire où c'est que vous avez dit joyeux de la couronne là. Si vous êtes compte Iframac qui est audité par KPMG Maurice, les dire où là-dedans qu'il déclare la perte de 79 millions de roupies et après il vient expliquer comment ils ont falsifié ce ban compte. Elisa Hou, là-dedans, had revenue recognition been done in accordance with IAS 18, d'après un nombre de comptabilité, tu prends une loss de 457 millions qui tu faisais reconnaître et publié dans le compte là. Ça veut dire 300 millions plus qu'une cachette. Ça, mon pas qu'à classifier ça comme un joyeux de la couronne. Et Apollo, tout le temps, il fait la perte. Jamais Apollo ne fait profit. Il n'est pas qu'à joyeux de la couronne. Mais comment nous expliquer, pour un special administrator qui bouquette tout ça. Et bien sûr, c'est. Oui, mais Coats et dans d'autres affaires, je vous dis, tout le monde peut causer ça séparément. Mais au fait, Coats et Iframac, pour une raison qui ne connaît pas, ils ont joint tous les deux ensemble d'une compagnie qui s'appelle ILSAT. Ou pas qu'à cause Coats séparément de Iframac, ils tous les deux ensemble. Et l'ici peut faire la paix. Il fait une couronne en ferraille. Bon, Pravin peut dire une couronne en ferraille. Mais nous disons dans le journal, nous connaissons un salaire de 15 millions de roupies mensuellement qui peut payer à la famille Rawat, mais comment une compagnie pour faire profit quand on peut payer sa qualité salaire? La plus de management fees qui doit Rawat in tirer, basé le turnover, le chiffre d'affaires, pas le profit, qui veut dire que la compagnie là sur la vente, un pourcentage là-dedans, puis elle déo pour lui. Mais comment ajoute tout ça là, mais il n'y a pas qu'un joyeux. Chaque fois, le Premier ministre cause Ponzi. Mais nous ne cause Ponzi parce qu'il y a un Ponzi. Un dirigeant d'entreprise n'est pas capable de taxer son propre chiffre d'affaires, il est capable de prendre dividende le profit. Dans le cas de Daoud Rawat, depuis 1995, donc c'est pourquoi il est prémédité. Depuis 1995, il prélève chaque fin du mois le Soban Compagnie 3 à 5% de management fee. Dans le cas de Iframac, peine à casse pour payer salaire à la fin du mois, il fait une prise jusqu'à ce qu'il arrête ligne en 2 semaines. 15 millions par mois régulièrement. Un manager, une compagnie pas capable de faire des affaires comme ça parce qu'il peut condamner la compagnie lui-même au fait d'avoir une qui crée une situation où que tout ce bonne compagnie peut perdre casse. Premièrement. Deuxièmement, nous voulons nous parler et nous avons dit oui, mais vous connaissez une bonne compagnie là, tu peux payer nous l'intérêt, nous bonne casse, tout ça là. Mais nous avons dit pas connaître quelque chose. C'est que pendant des années, ça a dit une vie reste là. Ça veut dire que les gens qui prennent sa pension, qui prennent sa lump sum, qui mettent là-dedans, Zoul, ils mettent son casse dans sa projet gold, machin truc là, casse-là, ils disparaissent. Ça veut dire que depuis le début, étant bon agent, Perguet, bon, les gens peuvent prendre cette casse. Comment ça casse-là rentre dans BAI le même jour que casse-là faune disparaît. Ça veut dire que Daoud Rawat n'a pas aucune intention jamais. Rambou, ça m'en casse qu'il y a une point avec une victime du Ponzi. C'est comme ça que nous peut causer une grande injustice quand ça nous peut dire qu'il finalement il y a un scandale hors du commun. Il y a un scandale hors du commun, un Mauricien comme nous qui finit
pile l'argent public, il vient pile l'argent, l'argent honnête, ben si dit nous maintenir ce qui nous paye nous. Qui Daoud Rawat est non personnellement une responsabilité totale dans ce qui est arrivé. Monsieur le ministre. Monsieur le Chmeradou, concernant un paiement ban capital cause 2,5 milliards roupies, 500 000 roupies, 12 milliards roupies pour débourser. Jusqu'à connaître ça, alors, on a un côté qui vous comment vous faites ça? Pas sous Rochi. Je vous rajouter une affaire qui beaucoup de monde demande moi et vous entendez ça dans le journal aussi, dans la radio aussi. Qui fait aucun de monde pas perdre des autres casse dans BAI, je tout dire, je m'y payé, etc. Mais ça même qui appelle un Ponzi scheme. Un Ponzi scheme, c'est qui ou peut prendre l'argent en ban nouveau policy holders ou dans la case du monde ou peut prendre casse en nouveau du monde pour payer ban dette qui ou non envers ban ancien. Et il me prouvait, comme ça, en héros d'India, tout ça, dans cette statue, il y a 1% return. Mais quand on peut donner du monde 14%, 12%, 14% l'intérêt, comme on appelle le bonus. Et tout le business qui est en bas, il y a 1%. Mes amis, vous ne pouvez pas repayer ça. Et tout le temps, il prend qu'à ça du monde nouveau pour retourner ancien. Un peu pareil que moi, on trouvait dans White Dot, dans Sunkai. Dans White Dot aussi, pareil. Faut dire, quand les affaires sont éclatées, il y a là qui dit qu'on n'en comprend le mécanisme. Mais c'est ça le Ponzi. À cause de ça, tout le monde n'est pas venu pendant la police indienne perdicace. Monsieur Badin, vous pouvez répondre à ma question, s'il vous plaît, concernant un ban fonds qui peut débourser justement pour rembourser ban l'argent. Il y a jusqu'à 12 milliards. Puis jusqu'à qu'on écoute ça l'argent, l'absorption, est-ce que c'est taxpayers money qui peut servir pour rembourser BAI? Je suis capable de donner beaucoup plus de détails après parce qu'il y en a tout un cette journée assez compliqué, mais quand il y a où qui c'est pas taxpayers money du tout, c'est ban assets dans le rapport de M. Bonnier, vous trouvez quand on lit à lui. Et après, il y a beaucoup plus recovery qui nous peut faire au niveau national et international. Et en plus de ça, National Insurance Company, lui aussi, il y a un plan comment il peut travailler à Ster. Après, plus important, c'est qu'il ne peut pas repayer l'intérêt. Ça veut dire que si vous avez ça, c'est 28 millions qu'il mettait dans le rapport Bonnier là, ce n'est pas ça, nous, la liabilité. Nous, la liabilité, nous, nous pouvons repayer le capital seulement. Après, nous allons expliquer plus tard. Monsieur le ministre, peut-être une dernière question. Aujourd'hui, le gouvernement vient de l'avant avec un paquet de solutions pour le super cashback goal. Nous connaissons aussi, évidemment, détenteur de Bramer Asset Management. Il y a aussi Bramer Property Fund. Est-ce qu'ils peuvent venir avec une solution pour ce investisseur là? Tout ça là, il bougerait par le Special Administrator quand il est nommé. Mais mon cas, Djaou, ce qui nous cause, nous peut causer en termes d'assurance. Bramer Property Fund, Bramer Asset, c'est une autre affaire. C'est une affaire que le monde dit dans le de casse d'un fonds. Et ça, c'est une autre la loi, c'est un autre contexte. Et nous causons l'eau là après, mais c'est le Special Administrator qui dit ça. Nous, gouvernement, commençons à Niro d'Ingen, nous peut causer aujourd'hui les Insurance Policy Holders. Une dernière question, ça va pousser à Niro avant qu'il ou al d'appartement. Vous pouvez dire, pas payer la négociation entre le gouvernement et la BAI, mais pourtant, ou député, premier ministre, ou un man vice-premier ministre, fin dire l'ON Radio qui, effectivement, qui est dans la négociation. Il faut, ça ne veut pas dire ça. Vous mal entendez. Il mal comprend. Vous ne pouvez pas dire ça, Mr. Soudan. Arrivé parfois, nous mal comprend. Vous pouvez démentir ou vous ne pouvez pas dire ça? Non, jamais dire qu'il finit la négociation. Pour la ratio. Pas finir la négociation. Il y a mettre tout du monde la tête ensemble. Bon, merci et au revoir.